on était à Skyline Rotorua avec deux bikes fonctionnelles, une belle température. Fait que tout simplement aujourd'hui, c'est pas compliqué. On vous amène avec nous dans ce ride-là, on va découvrir ça. Il y a l'air d'avoir un peu de tout. Avant les journées de bike park, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des petits warm-up de lancer de bâton pour aiguiser l'esprit. Yeah. Gauche. Oh, c'est quoi? Droite. Yeah. Lance la gauche maintenant. Gauche. Yeah. Gauche. Oh. OK. Fait que ça, personnellement, je trouve que ça aide à connecter les yeux et les mouvements, juste histoire de se réveiller des fois quand on commence une journée de bike park et on était assis dans la chaise avant de commencer à descendre. Fait que yeah, let's go! Fait qu'on vient de trouver un espèce de gros setup complètement fresh qui est le jump du whip-off qu'ils ont fait récemment ici. Fait qu'on voit là-bas, gros step-up. On va le regarder un peu plus proche. Qu'on voit que la shape est à peu près 12 pieds de haut. On voit que le landing est assez court, assez à pic. Fait qu'on veut pas l'overshooter, ça c'est clair. Grosse construction. Alright, c'est quand même intimidant. Gros setup. Je sais que ça va être smooth. I'm ready. Is it okay if I just jump in? Yeah, yeah, that's all good. Alright, end it. Rider! Hey. Fait que le gars m'a suivi de extrêmement proche. Puis j'ai caissé ça dans la face. Écoute, c'est un peu son problème de m'avoir suivi de même alors qu'il savait très bien que c'est mon premier coup. Gros caisse. Il faut rentrer vite là. Mais le feeling était bon. Yeah, I made it! Yeah! Hey, fait que ça feel comme le feu ce soir-là. Là. Tellement de vitesse dans un gros lip. Ah ouais, là, c'est bon, là. Wow! Woo! Oh! Yeah! Un des feelings les plus insane de jump. Ça, c'est épeurant, mais safe en même temps. Pour les whips, ça n'a pas rapport. Woo! Yeah! C'est de quoi qui est un autre niveau de ce que j'ai jamais filé. Ça n'a aucun sens. Pour ceux qui ride au Wolf, la vitesse d'entrée sur le setup doit être à peu près comme la bête, mais complètement par en haut. Fait que c'est très très excitant. Puis là, dans le fond, mais pour le reste de la journée, on va aller explorer les autres sentiers. Puis ceux que je trouve intéressants, je vais les filmer, je vais vous les montrer. Je sais qu'il y en a déjà un, le 1051, qui serait un beau défi en lignée top to bottom, quand même intéressant, un mix de flow et de tech. Fait que petit feature un peu intimidant ici quand même. Une espèce de cassure. Quand même plutôt vertical, que ça se roule, mais ça donne pas tant le goût de le rouler. Ben, c'est de commencer à vouloir contourner ici là, c'est tout croche là. C'est un gros roll down. La transition ici est comme assez continue, puis en bas c'est à pic, fait qu'il y a pas de compression. On dirait que là il y a moins de pause. Ouais, c'est moins à pic un peu là. Tu pourrais passer là. C'est un petit peu moins à pic, comme ça descend. C'est comme si c'était une dalle. On va faire un petit passage démonstratif. Pas besoin d'aller vite ici. On descend. Le Kreb se met au défi, let's go, on l'encourage. Allez, Rabi. Bien smooth. Yeah! You! Good job! Yeah. C'était comment? Quand intimidant, mais ça s'est bien passé. J'étais un petit peu stressée, mais la deuxième fois, c'était déjà mieux. On savait que t'étais capable. C'était mieux au défi. Yes. Bien joué. Yeah. C'est que là, je vous amène dans ce qui est probablement le plus beau lap en ce moment.
qui va être la 1051. Fait qu'on prend un tout petit bout de la piste de flow bleu. Puis ça a l'air vraiment d'un beau lap. C'est un mélange de flow et de tech. Fait que, yeah, j'ai bien hâte d'essayer ça. Je l'ai pas encore enchaîné. Fait qu'on fait ça direct là. Absurde rapide. Petit lap de la piste verte, on va suivre elle pour faire un update des progrès de virage qui s'en viennent assez incroyables. Beau lap, c'est le fun ça, c'est le fun de te suivre. Ici en fait les vélos là, c'est ce gondole là, c'est la minorité, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Les petits casques, les petits bleus. Bon, tant qu'à être là, je vais aller vous montrer une couple de parties de la piste de downhill. Quand même assez technique, grade 6, c'est le plus haut grade ici. J'ai essayé tantôt une fois découvrir ça. Fait qu'on va aller voir ça, c'est sûr sur la vidéo, ça a tout l'air d'être rien du tout, mais on va aller voir. Fait que la piste s'appelle Debt Collector. Il y a des personnes qui ramassent les dettes, tu sais. Mais moi, j'ai aucune dette. Ça va. Ouh, ça glisse. Puis il y a plus quand même aujourd'hui, fait que des fois, c'est avec Dusty. Quand on est dans l'open, c'est un peu mouillé, c'est graisseux par endroit. Clairement que la inside line n'est pas la meilleure line, mais c'est la ligne que j'ai pris. Yeah. Le rush, sneaky, racine. C'est le virage un peu tricky. On monte là,
tour et on rentre, yeah! Off camber. Puis BYO ici. Ça, j'ai pas fait encore. Ah! Ok, tantôt, c'est celle-là que j'ai faite. Puis j'allais faire ce que j'ai pas fait tantôt. Right. Quand même nice, c'est steep, loamy, sablonneux. La petite rock juste là. Let's go! Ah, il y a des highlines ici, on va chercher celle-là. Nice! Là, il est là ici. Ah, là, c'est fou! Yeah! Caution drop off, ok, ça se trouve. Off camber. Yes! Sick! Ah, c'est vraiment nice, c'est pas grave. Fait qu'il est plus facile que BYO. B-line. Ouais, j'ai laissé le drop-off dégueulasse de tantôt. Tout flat. Ça, c'est vraiment dégueulasse. J'avais ce con. Sick. Sick, c'est bien par contre. We're out. We're long. Just sneaky. Jump. Yeah! Fait que c'était ça pour notre journée à Skyline Rotorua. On a passé une bonne journée, hein? Yeah! On a fait une quinzaine de laps, on a tout exploré. Sinon, ben, très excitant, ça a été un highlight, là, le gros jump du whip-off. Fait que n'hésitez pas à nous faire signe si vous appréciez la vidéo. Regarde, c'est que là-bas, quand c'est fou. Aujourd'hui, la baignade, c'est dans des sources d'eau chaude. Fait que la baignade après bike. Ouh, c'est chaud, chaud, chaud. Oh, ça brûle ma plaie de mollet. C'est chaud, chaud, chaud. Il y a de l'eau fraîche. Fait que de l'eau chaude qui arrive de là où on était. De l'eau froide qui arrive de là. Là, moi, j'ai une jambe dans l'eau froide, une jambe dans l'eau chaude. Fait que tu peux choisir tout ce que tu veux. Yeah! C'est comme un spa tout en un. C'est un moment avec les petites...